Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. La perturbation qui a traversé hier nous a laissé un petit souvenir avec encore des nuages qui ont traîné ce matin de la Lorraine jusqu'au centre du pays. Puis le temps s'est considérablement éclairci avec du soleil sur tout le territoire. Le temps sera bien ensoleillé durant tout ce week-end avec des températures assez chaudes. Nous partons ce soir dans le Beaujolais. Nous passons un petit coup de fil à Sophie Salinia qui est dans un petit village qui s'appelle Bagnoles. Bonsoir Sophie, vous nous parlez de Bagnoles? Bonsoir Laurent. Alors Bagnoles, c'est un petit village en Pierre Doré à 40 km à l'ouest de Lyon. Et il a fait beau aujourd'hui à Bagnoles? Un temps très très beau, ouais. C'est le temps qu'il fait depuis plusieurs jours. Soleil, chaleur et puis un petit vent du sud. Le vent du sud réchauffe les températures. Alors ce week-end, Bagnoles va se transformer en vaste exposition d'aquarelles. C'est une grande manifestation que vous organisez, vous nous en parlez? Oui, en effet, donc ce samedi 25 et dimanche 26. Se déroule le deuxième festival des aquarellistes. Donc ce jour-là, nous fermons notre village à la circulation et nous accueillons une cinquantaine de peintres en intérieur et en extérieur. Très bien, ben on espère que vous aurez grand beau temps, ce sera le cas, rassurez-vous. Merci Sophie, bonsoir. Merci beaucoup Laurent, au revoir. Alors voici la carte de ce samedi matin avec du soleil sur tout le pays, tout juste quelques nuages, des cumulus qui circuleront sur le nord-est, la Bourgogne, certains aussi sur le massif central, sinon plein soleil. Les températures vont rester chaudes pour la moitié sud, un petit peu juste au nord, c'est vrai, où il y a encore pas mal de bleu sur le nord-ouest et le nord, sur les régions méditerranéennes, méridionales, là.